Ce qui est important aujourd'hui pour l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'être en mesure de nous rapprocher des sociétés du territoire et de travailler en partenariat avec elles autour de projets innovants. C'est le cas aujourd'hui avec la CEVESC, puisque la CEVESC nous a permis l'automatisation et la gestion des niveaux d'eau. C'est un travail partenarial et collaboratif conséquent, avec ce souhait de pouvoir élargir encore davantage ce partenariat avec d'autres entreprises et d'autres sociétés du territoire. Je suis Caron Christophe, je suis automaticien à la CEVESC. On avait un projet de prendre à distance toute la station de pompage qui sert à gérer la réserve naturelle pour la gestion de l'eau. L'agent venait sur place mettre en route les pompes, arrêter les pompes en fonction des niveaux constatés visuellement. Là maintenant, on se retrouve avec une automatisation des niveaux. Ça va se déclencher tout seul par rapport au téléréglage paramétré dans l'interface Home Machine et ça va s'arrêter tout seul. Il y a juste un suivi à faire avec une connexion 4G pour s'affranchir du bon fonctionnement de l'installation. Nous avons rajouté une interface Home Machine qui nous permet, comme un mini site web, de naviguer sur les pages et d'aller voir l'historique des courbes, aussi bien de niveau que de déclenchement des pompes. Avoir les historiques pour la maintenance des machines. On retrouve l'intégralité en fait de la station à distance sur le smartphone de l'agent d'astreinte. Joanne Anglade, conservatrice de la réserve naturelle des étangs et rigoles d'Yvelines, qui s'appelait avant la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'en fait la réserve s'est agrandie le 8 avril 2021. Et donc maintenant, la réserve s'étend sur 310 hectares sur l'ensemble du réseau des étangs et rigoles. Avant, elle s'étendait sur 91 hectares uniquement sur l'étang de Saint-Quentin. Le projet avec la CEVESC, c'est une véritable nécessité pour nous. C'est un véritable bond en avant technologique aussi, puisqu'en fait, on a besoin pour protéger la biodiversité sur la réserve naturelle de réguler les niveaux d'eau, puisque vous avez des îlots en fait, qui ont été construits sur ces bassins pour accueillir des oiseaux migrateurs en reproduction. Une fois installé, le niveau d'eau doit rester constant. Sinon, si vous avez un fort événement pluvieux, les nids sont noyés. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est empêcher la noyade des nids et donc de maintenir un niveau d'eau constant. Évidemment, ce n'était pas toujours possible. Et donc, notre réactivité face aux besoins des oiseaux n'était pas toujours au rendez-vous. Et donc, grâce au pilotage automatique en fait, des pompes, eh bien, on peut réaliser ces opérations à distance. On a hâte de passer la prochaine saison de reproduction des oiseaux et de voir les moyens de prédiction qu'on a qui vont être évidemment plus important. Donc je remercie vivement Éloi de Fautoro, de la CEVESC, pour avoir accueilli ce projet avec enthousiasme. On a trouvé un point d'entente pour allier nos compétences, donc les compétences techniques de la CEVESC pour améliorer notre capacité à gérer les niveaux d'eau, et nous, de notre côté, nos compétences en écologie, en expertise écologique, pour aider la CEVESC aussi à gérer leur bassin sur Saint-Quentin-en-Yvelines. De Fautoro, moi je suis responsable commercial de la CEVESC, qui est une filiale de Suez. La CEVESC, c'est la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud. Le siège de la CEVESC est à Trappes. On a deux métiers principaux, la gestion de l'eau potable, production, distribution d'eau potable pour le compte des collectivités, et puis la gestion de l'assainissement, que ce soit sur la partie réseau, collecte, transport, et puis traitement avec les stations d'épuration. L'agence de Trappes travaille pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines et notamment pour le système d'assainissement pluvial et les bassins de stockage et de rétention d'eau pluviale. On est en contact historiquement avec la réserve naturelle puisqu'on gère des ouvrages qui sont juste en amont en fait, de la réserve naturelle. C'est dit, bah, comme on essaye de réfléchir sur l'état écologique de nos ouvrages, ce serait peut-être intéressant de se rapprocher d'elle. C'est comme ça qu'il y a eu un premier contact. Avec Joanne. Et par contre, elle nous a fait part, elle, d'une difficulté qu'elle avait,
au niveau du bassin intermédiaire, hein, donc qui est un bassin sur lequel il y a beaucoup d'oiseaux. On est assez content parce qu'on a réussi quand même en peu de temps à pouvoir aider la réserve naturelle dans sa gestion. Donc pour nous, ça a vraiment du sens. Au-delà de notre métier de gérer l'assainissement, ça a encore plus de sens de pouvoir aider l'environnement et puis de pouvoir favoriser la biodiversité sur le site où on travaille. On a vraiment l'impression que c'est très utile. Et ça, en termes de motivation, c'est génial pour les équipes.